Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et de vous proposer le tirage en complément d'information du petit documentaire que je vous ai proposé sur l'affaire Markovitch pour préciser les faits à ceux qui ne les connaîtraient pas. Alors, je pense quand même que la plupart d'entre vous connaissez bien cette affaire, mais sait-on jamais, je préfère faire un petit récap. J'espère que vous vous portez tous et toutes bien. Je vous remercie pour vos commentaires, les messages d'encouragement que je reçois et de gentillesse qui me vont droit au cœur. Je vous avoue que j'ai parfois un petit peu de mal à me lancer dans cette partie-là de YouTube. Bien souvent, je suis un peu réticente à regarder tout ce qui touche aux statistiques, aux chiffres. C'est souvent ma sœur qui me tient un peu informée et j'ai aussi des difficultés à regarder les commentaires. Et pourtant, ils sont adorables et je tenais à vous en remercier vraiment du plus profond de mon cœur. J'ai répondu à certains, certainement pas à tous, mais par contre, j'apprécie je n'ai pas forcément les bons mots parce que certains d'entre vous m'ont beaucoup ému, on va dire. Clairement que je ne m'attendais pas à trouver autant de soutien et lorsque j'ai vu ça hier, ça m'a vraiment réchauffé le cœur et donné envie de continuer plus que jamais. Et je remercie aussi, bien entendu, peut-être que ceux qui me suivent sur mes réseaux l'ont déjà vu, la fille d'Agnès Jumeau, donc Armelle, qui a eu la gentillesse de commenter ma vidéo et de me féliciter sur le retour que j'ai pu avoir. Alors, je dis avec humilité parce que je sais que c'est pas forcément mes informations à moi et que c'est pas à moi qu'il faut remercier ou féliciter. Je suis personne et rien du tout d'ailleurs. Et c'est d'autant plus difficile quelque part d'accepter des compliments par rapport à quelque chose qui me vient de je ne sais pas tellement quelle faculté. En tout cas, c'est quelque chose qui me fait plaisir aussi, dans la mesure où ça lui apporte du bien-être et où cette vidéo peut lui apporter des réponses là où elle se posait des questions et que les éléments sont bien concordants avec ce qu'elle a pu vivre ou comprendre de la situation que vivait sa maman avant qu'elle naisse cet accident, on va dire. Allez, je vais rester donc concentrée sur Monsieur Stefan Markovitch et je reviens avec vous avec le tirage. Je vous propose donc de faire la lecture du jeu qui est dédié à Stefan Markovitch. On va regarder un peu donc avant qu'il ne décède ce qu'il s'est passé. Alors là, on a les mauvaises surprises. La carte est à l'envers. Qui vont avec le législateur. Donc il semble que quelqu'un ici, dans les dernières heures de sa vie, soit intervenu effectivement et se soit présenté à lui comme celui qui vient régler les comptes. On sait qu'il a été retrouvé donc dans une décharge et cette carte, vous savez, est une carte qui est plutôt négative, qui nous parle d'événements inattendus qui causent du tort, une mauvaise surprise. Ça, cette mauvaise surprise, elle a été initiée par cette personne qui sert de législateur et donc cet individu qui est représenté ici comme celui qui vient faire justice pour une cause. La prospérité avec le retard. Alors Markovitch est un personnage Markovitch
Markovic. Markovic, je ne sais pas. Markovic, moi je dis, en tout cas, c'est quelqu'un qui, lui, vivait certainement dans un certain faste, hein, puisque c'était un proche d'Alain Delon. Je pense qu'il devait être certainement rémunéré en fonction, puisqu'il faisait beaucoup de choses pour Alain Delon. Il était son homme à tout faire, entre guillemets. Hein. Là, on nous parle plutôt d'une prospérité qui était due aussi à des affaires qu'il menait de front avec ses responsabilités auprès d'Alain Delon. Ça peut être des transactions immobilières. Donc lui, il avait son propre business ici, visiblement. Et on nous dit que c'était plutôt un business qui lui permettait de gagner pas mal d'argent. Cependant, ce business qui lui permettait de gagner pas mal d'argent est un business qui ne lui apportait pas totalement satisfaction. Au moment, donc là, c'est sur les heures et les jours avant sa mort. Le changement. Alors, le changement peut vouloir signifier beaucoup de choses. Donc, la carte ici, c'est le voyage qui l'accompagne. Il semblerait que, bien qu'il avait à peu près tout ce qu'il souhaitait, à ce moment-là de sa vie, Stefan Markovic voulait effectivement partir, prendre la route et s'éloigner de là où il se trouvait. Peut-être avait-il envisagé de déménager. Il semble qu'on nous parle ici d'un voyage pardon, avec le cavalier qui est représenté dans un département différent, dans un pays différent, peut-être un retour au pays aussi. C'est en tout cas une personne qui avait envie de partir parce qu'il se sentait abandonné par quelqu'un. Il ressentait une certaine forme de solitude et visiblement aurait voulu peut-être combler cette solitude lors de ce voyage, donc peut-être rejoindre sa famille, ses amis. Essayer aussi de se rapprocher peut-être de quelqu'un avec qui il s'était disputé. Est-ce qu'il s'était disputé, là par exemple, ça pourrait être quelqu'un aussi par rapport aux affaires avec qui il se serait disputé et qu'il aurait souhaité retrouver pour pouvoir arranger des choses avant qu'il ne meure. Alors ça peut parler d'un ami très proche de la famille, hein, voire d'un cousin éloigné. On est dans ce genre de lien, hein, donc des amis très très proches ou de la famille éloignée. Là on a le repentir, donc cette personne avec qui il avait rendez-vous est une personne avec qui il y avait visiblement donc une situation de conflit, puisqu'ici on nous parle du repentir et cette carte est une carte précieuse dans le jeu dédié à Stefan Markovic, puisqu'ici c'est une carte qui explique qu'il a été dans l'embarras en fait à cause d'une intrigue amoureuse. Donc on sait un peu, d'autant plus, c'est impressionnant. Une intrigue amoureuse qui lui cause du tort parce que la vérité est faite sur cette relation. Donc, il semble bien que les cartes confirment qu'avant sa mort, eh bien, Stefan Markovic savait qu'il avait fait, commis, on va dire, un péché suprême en ayant une relation avec une femme qui n'était pas libre. Et c'est bien ça qui tourne autour de lui sur les heures avant sa mort. Donc, il a été évoqué plusieurs autres options, bien que celui-ci ait également dit que s'il lui arrivait quelque chose, il faudrait chercher du côté d'Alain Delon. Et il a même marqué les initiales AD à plusieurs reprises dans des courriers. Et là, je vous confirme qu'avec les cartes qui sortent, c'est ce type de relation qui a mené M. Markovic à sa mort. En tout cas, je ne peux pas affirmer qu'il s'agisse de Nathalie Delon ni d'Alain Delon, mais en tout cas, c'est bel et bien un amant qui a appris la réalité, enfin un mari qui a appris la réalité sur le fait que Markovic n'était pas un bon ami et qu'il y avait bien une liaison avec son épouse, sa conjointe ou sa compagne. Donc là, on a beaucoup de réponses avec très peu de cartes déjà. Et on va continuer à les interpréter ensemble. La lettre.
Avec l'arbitrage, oui. On nous dit qu'il aurait eu besoin d'avoir le soutien d'un ami. Il était trop tard, hein. Là, il a présenté ses excuses à qui est de droit, mais la personne ne voulait plus en entendre parler de ses excuses. Il était beaucoup trop tard. Pourtant, il a essayé, je pense, de se justifier comme il a pu. Ici, cette question de lettre dit qu'il a dû faire une demande qui lui a été refusée. Une demande, justement, auprès de... d'une personne qui aurait pu l'aider ici à s'en sortir vis-à-vis de ce mari contrarié. Donc il se peut qu'il ait écrit à quelqu'un en lui faisant part de cette situation. Je crois qu'il a écrit à son frère ou quelque chose comme ça, mais j'ai pas regardé volontairement, je me suis pas replongée trop dans l'enquête, et je fais d'abord l'enquête avant de préparer le reportage sur lui. Vous comprendrez. Donc là, j'ai la fausseté avec l'égarement. Bon, bah, ça va plutôt bien ensemble. Et c'est marrant parce que les cartes sont la 62 et la 61. Je fais souvent un peu attention. Mais elles sont réparties ainsi, chacune d'un bord du jeu. Et ici, c'est quelqu'un qui nous parle d'une... Cette carte-là, c'est la fausseté sur un ami. Un ami autour de Stéphane qui était inconstant. Et cet ami, ici aussi, ressort... toujours dans son inconstance et c'est quelqu'un qui ment en fait. Donc je pense qu'il a été peut-être invité sous un faux prétexte et qu'à ce moment-là les choses ont tourné court pour lui. La naissance. Alors la naissance... et l'originalité. Ouais. Alors, je ne sais pas si ce monsieur a déjà eu des enfants ou pas du tout. Je ne sais pas s'il a eu par la suite d'autres... Enfin, avant de décéder, je ne sais pas s'il a eu d'autres relations. Et je ne sais pas si par la suite, c'est quelque chose qui a été su médiatiquement ou pas du tout. L'as de bâton, c'est celui qui nous dit qu'il est possible qu'il ait effectivement eu une... notion de grossesse autour de lui et que cette grossesse soit bien malvenue puisque la notion ici d'originalité qui arrive, c'est la notion de messager et c'est une surprise en fait. Il se peut qu'ici il y ait eu un problème autour de la grossesse d'une femme et qu'il l'ait appris juste avant de décéder, qu'une femme était enceinte potentiellement de lui. Le succès avec l'ambition. Oui, lui, c'est une personne qui avait les dents longues et qui n'avait pas forcément de scrupules pour réussir. Je le sens comme un tempérament relativement fourbe. Et pour moi, c'est une personne qui est capable de se montrer sous tous les aspects que ses interlocuteurs souhaitent entendre afin de pouvoir en obtenir ce qu'il désire. Et le succès ici, c'est sa chance, cette prospérité qu'il attirait d'un point de vue financier en s'entourant de personnes qui, elles-mêmes, étaient des personnes argentées, des personnes qui avaient réussi leur carrière, des personnes qui étaient plutôt ambitieuses. Mais cependant, lui, il avait des projets qui étaient beaucoup trop ambitieux pour lui, par exemple. Il a su tirer profit en fait du succès d'autrui pendant son existence et il semble qu'ici cette ambition ait pu être à son encontre, qu'il a abusé de la confiance qu'on avait mis en lui. Les rentrées d'argent. Il y a beaucoup de notions financières également dans ce jeu. Et le dévouement, oui. C'est quelqu'un qui, je pense, était totalement dévoué à la cause de ceux qui lui étaient proches et de ceux qui payaient. Parce que je pense que son amitié avait un prix et que ce prix devait être relativement élevé. On voit ici qu'il n'avait absolument pas de problème financier et que c'est quelqu'un qui avait plutôt tendance à vivre dans un certain luxe. Cette carte du dévouement ici, c'est quelqu'un aussi qui bénéficiait du service d'autrui. Ici, c'est des personnes qui ont pu lui servir un peu de mentor ou de peut-être même
de services financiers, quoi. Il a bénéficié de pas mal de soutien. C'est un peu comme s'il pouvait avoir aussi de l'emprise ici sur les femmes et obtenir facilement ce qu'il souhaitait, hein. C'est un beau parleur, quelqu'un visiblement qui n'a pas de difficultés pour savoir aussi profiter d'autrui, aussi bien sur l'argent, mais parfois sur leur personnalité aussi. On pourrait parler d'abus de faiblesse, par exemple. Ça me choquerait pas plus que ça, quoi. La duperie avec l'espion. Donc, dans ses dernières heures, ses derniers jours de vie, il semble que Stéphane, ici, a été victime d'une personne qui a essayé de l'escroquer, qui est une personne qui l'épiait depuis un certain temps, et une personne qui a utilisé d'un stratagème afin de le faire sortir de chez lui. Et je ne sais pas où il a été retrouvé, enfin si, je crois qu'il a été retrouvé dans une déchetterie, d'une décharge. Oui, du coup, on ne sait pas où est-ce qu'il a été tué, certainement. En tout cas, pour moi, ils l'ont fait sortir volontairement. Et il était épié depuis un certain temps par quelqu'un qui avait déjà une mauvaise intention à son encontre. Il y a vraiment quelqu'un de retors derrière tout ça. L'homme de robe, il en peut nous parler du jugement. Et le célibat. C'est un empereur qui ressort ici. Cet empereur, c'est celui à qui il faisait confiance. Celui à qui il se confiait. Celui à qui il lui semblait le plus logique de parler de ce qui le tracassait. Et pourtant, c'est cet empereur-là qui a commencé à avoir d'énormes soupçons. Et ces soupçons se sont confirmés. Il semble que le jeu, la synthèse de ce jeu ici, avec la carte numéro 33, fin des tracas est annoncée et que la mort en fait de Markovic soit bel et bien un meurtre qui a eu lieu parce qu'il était devenu vraiment très gênant. C'est une personne qui visiblement commençait à poser problème à beaucoup trop de monde autour de lui et qui était arrivé à se faire des ennemis vraiment très coriaces ici. Je pense que vous aurez compris un peu la généralité du message. Je suis un peu abasourdie encore une fois. Je suis toujours étonnée par la facilité de ces cartes. Je trouve que les messages sont un peu plus clairs et que c'est complètement fou parce que ça colle vraiment avec ce qu'on en sait, quoi, en tout cas. Donc ça ne fait que confirmer. Je vais quand même prendre quelques cartes du jeu de haut en complément. Et je vous retrouve dans un instant pour les interpréter. Regardons avec le jeu de haut ce que ça peut donner. Alors, il était visiblement heureux, mais on a le diable qui intervient ici. Le danger, et j'ai ces deux cartes qui sont venues, donc bah, j'ai les deux. Donc là, à mon avis, c'est vraiment quelque chose qui a pu nous donner, qui peut nous donner une indication très claire. Il y avait le couple ici qui était heureux. Je pense qu'on nous parle vraiment d'une situation de... Comment je pourrais être claire sans porter vraiment d'accusation. C'est quelqu'un qui se sentait heureux peut-être d'avoir une certaine partenaire avec qui il se sentait heureux.
Et cette relation devait être cachée, devait être secrète, parce qu'il y avait un danger derrière. C'est la femme hein, qui pouvait devenir un danger, mais bien malencontreusement, parce que ce n'est pas forcément sa faute. Et c'était l'endroit à ne pas aller, il fallait pas mettre les pieds ici. Là, c'est cette femme qui a porté un peu atteinte à Stéphane. On voit ici qu'il se sent exclu, que cette relation qui lui plaît et qui est cachée avec cette femme est une relation qui, je pense, lui tenait à cœur et qui pouvait même tenir à cœur aux deux. Sauf que cette relation-là faisait parler. Et ils étaient tout le temps en compétition, peut-être avec la personne concernée, donc le mari. Donc Stéphane était peut-être en perpétuelle compétition avec le mari de sa maîtresse. Et il devait céder devant lui, hein. C'était son rôle à lui, c'était de céder. Hein. On devait lui demander et il devait avoir habitude, je pense, d'obéir et de céder à cette personne. Parce que pour lui, il se comportait comme un père pour lui. Donc il obéissait avec docilité à cet homme habituellement. Et malheureusement, on voit ici qu'il y a bien la fin d'une amitié, la fin de relations proches, avec la destruction et l'isolement. Waouh, c'est un jeu qui là aussi me paraît très très clair pour le coup. Donc pour bien vous résumer la chose, c'est tout à fait les cartes qui correspondent un peu à ce que je vous ai déjà dit précédemment. Ici, ce qui pouvait paraître heureux à Stéphane, eh bien en fait était mené par des intentions diaboliques. On lui a dit et redit de faire attention et de ne pas se mettre en relation avec n'importe quelle femme, parce que certaines ont des maris qui sont dangereux. Cette femme-là, il a eu une relation avec, et une relation qui a été cachée jusqu'à un certain point où les gens ont commencé à parler. Et cela a nui à sa relation avec cette femme. Lui, il se sentait prêt à combattre. Il avait l'habitude d'être en compétition avec le mari de sa maîtresse. Et pourtant, il se sentait contraint de reculer de par une certaine notion de fidélité qu'il avait envers lui. Il se sentait redevable de cet homme et il a tout perdu finalement puisqu'il a gâché cette amitié avec cet homme. Ici, les choses se sont supprimées complètement. Il n'y a plus la même entente et on voit qu'il y a une séparation avec une destruction qui est stipulée ici avec l'isolement. On replie ce jeu et je vais regarder si on peut, avec un dernier tirage, en savoir encore un petit peu plus en utilisant la voix des âmes. Je ne vais pas couper la caméra parce que cela sera rapide. J'enlève les cartes dont je n'ai pas envie de me servir. C'est des cartes comme ça qui sont des messages libres en fait pour faire plutôt des méditations. Et il y en a une aussi que je trouve pas forcément très parlante qui s'appelle quoi? Pour Stéphane Marcelli, elle s'est présentée. Le manque. Un deuxième message. Stéphane Marcelli.
le pardon. Et un troisième. Ce n'est pas moi. Alors ici, ces trois cartes sont émouvantes, je trouve. La première, on va regarder le message qui est reporté dans le livret. Comme je vous le dis souvent pour ce jeu, je préfère ne rien inventer et regarder le message de l'entité qui correspond. Alors, le message de l'entité est « Tu me manques et je sais que je te manque aussi. Je sais que tu peux souvent pleurer, je le sais car je suis très souvent à tes côtés à ces moments-là. Ce qui me manque, c'est notre complicité et ta présence. Je sais que parfois tu cherches à renier ce manque en laissant la colère te guider. Et je sais que voir les signes peut aussi t'énerver et cela te rappelle que je ne suis plus là. Tu as comme un goût d'inachevé, quelque chose qui n'a pas été fait ou qui n'a pas été dit. Tu as l'impression que ce n'est pas juste et que je devrais davantage me manifester. Pourtant, je suis là. Ma présence n'est pas là pour combler ce vide que tu ressens. Elle est là pour t'aider à finaliser ton deuil, pour que tu puisses accepter que notre relation est changée, mais que notre lien d'amour, d'amitié est intact. Je suis là. Je t'aide à te connecter à tes capacités. Plus tu vas te connecter avec ton chakra du troisième œil, plus tu vas ressentir mes énergies. Ce message est adressé donc soit à un ami, comme vous l'aurez compris, soit à un conjoint. Ici, donc, on est dans l'énergie après également de pardon. Cette carte qui exprime ici aussi une volonté de demander effectivement pardon à quelque chose ou à quelqu'un qui serait toujours parmi nous. Je te demande pardon, j'ai eu une très grande culpabilité en moi. Je pouvais toujours avoir peur de mal faire. Je savais au fond de moi que je pouvais blesser, mais c'est comme si je ne pouvais pas faire autrement. J'étais comme dans une lutte intérieure et avec le recul, je me rends compte que j'ai pu blesser certaines personnes. Ce n'était pas mon souhait. Je sais que cela n'excuse pas, mais j'ai besoin de dire cette phrase, je ne m'en rendais pas compte. J'étais bloquée dans ma propre façon de faire et d'être. J'étais bloquée dans mon cadre de référence. J'étais bloquée dans ma propre façon de voir les choses. Alors aujourd'hui, je te présente mes excuses et je te demande aussi de te pardonner. Tu as fait et tu fais le maximum avec les moyens que tu as. Tu es dans une énergie où tu donnes le meilleur de toi-même. Et comme nous tous, parfois, tu peux tout accomplir et parfois, tu te sens démuni. Aujourd'hui, je n'ai plus de colère et je n'ai plus de rancune. Et je te demande d'être dans cette même énergie. Sois dans une énergie nouvelle de libération et de pardon. Je t'accompagne chaque jour pour le faire. Ce message, je pense, s'adresse à qui de droit et à mon avis, vous aurez tout à fait compris. Je pense, tout comme moi, à qui ces messages s'adressent. Et enfin, le dernier message, ici, bien, il nous dit que ce n'est pas forcément une fatalité de ne pas arriver à rentrer en contact avec lui directement, mais qu'il va pouvoir communiquer très bientôt avec quelqu'un. Et il dit à cette personne à qui il va pouvoir communiquer très bientôt, il lui dit « Là, je t'invite à arrêter de chercher un contact car tu te connectes avec d'autres entités. » Et je pense que le message le plus frustrant, c'est qu'il va falloir être patient. Cette carte invite à respecter les étapes. Tout se passe ici et maintenant. Tout se déroule ici et maintenant. Le temps d'attente est terminé. Nous t'envoyons de très nombreux signes pour que tu ne remettes pas les choses à plus tard. Ne te dis pas que ton bonheur sera là demain. Ne te dis pas que tu vas agir dans les prochains jours. Ne te dis pas que ton bien-être dépend des circonstances extérieures. Tu es dans une énergie où tu es invité à agir dès maintenant. Et tu peux le faire.
Nous avons déjà envoyé de nombreux signes, mais là, c'est à toi d'agir. Alors respire et avance. Respire et fais le premier pas. Respire et agis. Tu es dans une énergie très forte et tu es invité à te faire confiance et à être déterminé. Je pense que dans les prochains jours, nous risquons d'apprendre une triste nouvelle. Je m'en arrête ici pour ce tirage. Je vous remercie de votre présence. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, ça me fera vraiment plaisir. Et je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée. À très bientôt dans une prochaine vidéo.